Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa et Diamant. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un peu de diamond painting, mais je vois que ça sature, non? Non, ok. On avait déjà commencé, je crois, cette petite chose en vidéo. Je veux la terminer car c'est un cadeau de Noël pour ma belle-mère. Elle adore ce genre de petites choses et je voulais le terminer pour elle. En plus, il est très épais. Vous avez vu l'épaisseur? Il est très très beau. C'est un joli papillon avec des fleurs. Je ne me rappelle plus de qui ça vient. De qui ça vient? Ah, de qui ça vient? De je sais que ça vient. Donc, je vous le marquerai ici et vous retrouverez de toute façon le lien en barre de description. Je vous zoome. J'espère que ça va aller parce que mon téléphone, il me dit qu'il chauffe. Alors, j'espère que je ne vais pas avoir de problème. Comme on était sur Diamond Painting avec la première vidéo que je vous ai tournée, j'ai dit, allez, on continue sur cette lancée. J'attends tout le monde pour manger et encore une heure à attendre. Tout est prêt. Donc, allez, on diamante ensemble. Moi, ça me fait une petite vidéo. Et vous, ça vous fait un petit moment avec moi. Voilà. Alors, on a des très jolis diamants dans ce modèle-ci. Et on va faire du 8. Et du 8, c'est du fer. Ouais, je ne m'en rappelle pas du tout. Peut-être chez GBF qu'il y a eu. Je ne sais plus. Je vous marquerai de toute façon le lien. Comme d'habitude. Comme d'hab. Hop. J'espère que vous voyez bien, parce que ça ne soit pas trop sombre, quand même. Allez, on y va, c'est parti. On a le petit kit classique, mais ça marche très très bien. Parce que ma barquette et mes stylets, ils sont à l'étage, enfin, en haut. Je suis toujours dans mon sous-sol. Hop, celui-là, il n'est pas bon. Voilà, donc je me suis dit, allez, on y va, c'est parti. On n'a pas notre beau soleil d'hier, hein. Il fait gris dehors, mais il fait pas froid, enfin moi j'ai pas chaud, mais il fait pas froid. Hein. Il fait quand même 21 dans ma maison et il n'y a pas de chauffage. On a allumé la cheminée hier et il fait encore 21 dans la maison. Puis après, de toute façon, on va allumer l'appareil à raclette. Donc, ça va faire chauffer la maison. Mon mari, il dit, c'est bien, hein, on va faire raclette. Il dit, ça va puer. Alors, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, si on met l'appareil dehors et chacun va faire chauffer sa raclette dehors. J'ai n'importe quoi. Il a dit ça pour rigoler. Hein. Mais alors, lui, je dis, bah, dis à tes parents, on va faire raclette dehors. Ils vont être contents, tiens. Non, mais... Je vous assure que lui, n'importe quoi. C'est pour m'emmerder. Bah oui, pour pas changer. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Hop. Vous avez vu, hein, petite barquette verte. Très pratique. Hop, on va faire les 7 là, parce que j'en ai un petit peu. Et c'est un joli vert. Et puis vous voyez, dans cela, c'est pratique parce que c'est tout dans des sachets zip. Et ça, moi, j'aime bien. J'aime bien, moi, j'aime bien. Hop. Il y a le départ du Vendée Globe aujourd'hui. Pour ma cousine la Doyette. Comme elle habite en Vendée. Et c'est vraiment à côté de chez elle. C'est vraiment tout près. Je sais pas si mon oncle et ma tante ils y vont. Parce que mon oncle, c'est un Vendéen. Ouais. Aujourd'hui, c'est vidéo diamant. Donc Vanessa et ses diamants, voilà, porte bien son nom aujourd'hui.
que quand même, je vous fais beaucoup de vidéos point de croix. Hein. Je me dis des fois, je devrais nous changer le nom de ma chaîne, mais j'ai pas envie en fait. Parce que c'est moi, parce que voilà, c'est le nom que j'ai donné au démarrage et j'ai pas envie de changer en fait. Et c'est surtout que j'ai une super toile avec une tête de tigre que les copines m'avaient offerte. D'ailleurs, je vous fais plein de gros bisous. Je pense bien à vous. Je ne sais pas si vous regardez mes vidéos en ce moment. C'est un peu compliqué, mais je pense très fort à vous. Je vous fais plein de gros bisous. Il m'avait offert ça pour un anniversaire. Et il allait toujours dans mon couloir. C'est mon tigre avec Vanessa et ses diamants. Le titre de ma chaîne. Et comme elles savent que je suis une grande fan du tigre, n'est-ce pas? Hop là. Donc, voli voilou. On va descendre un peu, il y en a d'autres là. Concentré. J'attends un ornement là, j'ai hâte de vous faire en vidéo. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente. J'ai vraiment hâte de le recevoir et de le faire. Je vais peut-être encore galérer à le monter. Ça va être encore autre chose. On verra ça. Ah, est-ce qu'il y a du monde qui arriverait déjà? Non, il est trop tôt. De toute façon, c'est pas grave, hein. Je coupe et puis je continuerai la vidéo plus tard. Hein. Ça, c'est pas un problème. Pour vous, ça change rien. C'est juste une question d'organisation pour moi. Alors, on va remonter. On va faire du 5. Parce que là, j'en ai plein dans l'aile du papillon. Du papillon central, là. Vraiment très, très beau. Alors, le numéro 5. Ah, c'est un joli turquoise comme ça. Regardez comme il est beau. Il est vraiment magnifique. Et vous, que faites-vous de beau avec ce long week-end du 11 novembre? Je voulais nettoyer ma porte d'entrée, je ne l'ai pas fait, on a nettoyé dehors, mais peut-être que demain matin... Tout le monde, comme tout le monde va rester au lit, je pense. Enfin, tout le monde, hein. C'est mon mari et ma fille. Moi, je me lève tôt, comme vous le savez. Et bien, je pense que je vais nettoyer ma porte d'entrée. Comme ça, ça sera fait. Et j'ai une caisse encore à ranger là. Et peut-être que je vais m'y atteler. Ou peut-être ce soir. Moi, des fois, ça me prend comme ça. Bon, bah, je vous laisse. Je vais ranger ci ou je vais ranger ça. Aux grandes dames de mon mari et de ma fille. Oui, mais ils regardent des trucs. Moi, ça m'intéresse pas. Que voulez-vous? Ils aiment bien regarder des trucs un peu bizarres. Moi. Non, ça, c'est 3. Et moi, c'est du 5. Donc, c'est pas grave, allez-y. Hein. Regardez. Là, ils attendent Sweet Game 2 sur Netflix, là. Ça, vous voyez, c'est pas mon truc. Eux, ils aiment. Eh ben, qu'ils regardent. Non, c'est pas grave. Hein.
Bon, je dis pas, je ferai un effort. Il y a Vaiana 2 qui va sortir au cinéma. C'est pas bon non plus. J'irai avec eux le voir au cinéma. On fera ça pendant les vacances du New Yel. J'ai les mêmes vacances scolaires. Ça va faire du bien ces vacances. Enfin, comme je dis toujours, les vacances de Noël, c'est pas reposant. Pas, mon mari l'avait vu que peut-être passer un truc pour le 1er janvier, enfin le 31, un truc organisé, pourquoi pas. À voir. On avait été une fois, c'était sympa. Au moins, t'as rien à faire. Mais après, le problème, c'est qu'il faut faire attention avec la route. Si on boit un petit verre, quoi, c'est surtout ça. Bah, c'est surtout que moi, je conduis pas, quoi. Tout ça maintenant qui nous freine. C'est pas très loin de la maison, moi. Je crois que c'est à 15 km, mais bon, faut faire attention. Moi, bon, mon mari sur ça, il est sérieux. Le permis, c'est sacré. Hein. Vous avez vu, c'est beau, hein. C'est beau, c'est bio. Je suis en train de préparer aussi l'album du mariage. Ce sera son cadeau de Noël. Ah bah ça, c'est pas un bon non plus. Non, mes beaux-parents, comme ils n'ont pas fait de photos, je suis en train de faire un bel album là. Je suis en train de. J'ai déjà fait des photos. J'ai acheté l'album. Bah, vous l'avez vu, je crois, en haut l'action, il y a déjà quelque temps. Bon, l'album, je vous le ferai pas voir. Hein. Comme il y a les photos et tout. Non, non. Voilà, ça c'est personnel. Je vous avais posé une question aussi, si ça vous intéresserait par contre que je vous montre le calendrier de l'Avent que je vais faire pour mes filles avant de l'emballer, vous faire voir tout ce que j'ai acheté en Hello Kitty. Vivi. Donc ça par contre ça peut être faisable. Voilà, ça j'enlève, c'est un diamant. Ah non, je croyais qu'il avait des pas de couche dessus si. Hop. Donc ça je pense que ça peut être une vidéo sympa. J'en ai un peu là. Je vais pas trop descendre. Voilà. Après, on va faire les longs là. Mais d'abord, j'ai des 3 et des 4 là. Je vais les faire avec vous. Alors, des 4. C'est un peu un beige comme ceci. Par ici. Après, c'est des 3, des 3, des 3. Les 4, par ici. Je vais peut-être en mettre quelques-uns là. Je vais y vernicoler. J'aime bien y faire des choses à moi-même, à ma belle-mère. L'année dernière, j'ai pas fait de truc moi-même, non. Donc cette année, que des trucs faits main. Le châle que j'y ai fait, je sais qu'elle le met chez elle quand elle est à son canapé, parce qu'il est sur le dos de son fauteuil. Ah, elle a même des napperons, elle a un napperon. Bon, maintenant, il a un petit peu un trou, ça fait 17 ans que j'y ai fait. A mis une plante dessus.
Ouais. Il y a une année, je lui ai fait un grand diamond painting. Bah, il y a une autre année, je lui ai fait le châle. Hop. On va faire les numéros 3. Et les 3, c'est du rose, comme ceci. Et vous remarquerez aussi, je fais des plus grandes vidéos maintenant. J'essaye de faire des vidéos de plus de 30 minutes. Alors j'espère que ça vous plaît. Que ça vous dérange pas trop. Comme vous avez l'habitude, souvent je fais des vidéos de 20, 22 minutes, 24 des fois. Et là je refais des vidéos un peu plus grandes. J'aime bien. Je vous fais du blabla. Bon, les unboxings, c'est toujours pareil. Hein, Vous avez vu ma méga nouvelle toile de chez VIP Cross Stitch marron. Elle est vraiment magnifique. Scène de vie asiatique. Elle est vraiment très très belle. Vous la voyez régulièrement chez Gwen. Elle a vraiment une avancée magnifique. Et elle va être magnifique. Que du plaisir à faire ces toiles. Là, j'attends un méga, méga collier de chez VIP. Il m'accorde une confiance. Je suis ravie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous découvrez ma chaîne. C'est avec grand plaisir. Puis ça donne de la visibilité à la chaîne aussi. J'allais dire après manger, je peux faire du DP. Mais non, je ne vais pas faire ça devant ma belle-mère. Je prendrai un point de croix, je pense. En buvant un petit café tranquille. Ah non, faisait, je crois, ma belle-mère avant. Faudrait que j'y redemande, tiens. Ça faisait du point de croix. On faisait peut-être plus du tricot, je pense. Ou du canevas, peut-être, dans sa jeunesse. Faudrait que j'y redemande. Ah, mes beaux-parents, ils sont plutôt jeunes, hein. Mon beau-père, il va sur 90, et ma belle-mère... Alors, je ne sais plus si c'est 87 ou 88. À chaque fois, j'ai un doute. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3 ans d'écart qu'ils ont avec mon beau-père. Je ne me rappelle plus. Alors, hop. Celui-là. La même couleur, je vais l'enlever. Hop, du coup, il a sauté. Hop, ah oui, j'aime bien. J'ai invité mes beaux-parents à manger. Ah, c'est ma belle-mère qui a tout acheté. Ah, ma gueule, quand elle fait ça, je lui ai dit hier. Elle a dit oui, mais c'est comme ça. Et bah oui. Pardon. Si je vous invite, c'est pas pour que vous achetiez vous. Hein. Ah là là là. Le cas. On va poser ça. Vous avez vu, c'est beau. Regardez. Ça va être magnifique. Je vais vous zoomer un petit peu. Comme ça, vous allez bien les voir. On va les poser là. Ça, j'en avais quand j'avais fait des hiboux en porte-clés, ça avait le nez des hiboux. Bien prendre au milieu, hop.
Voilà. Ça fait joli, hein. Regardez ça un peu. Ça fait vraiment très beau, je trouve. On va pas descendre plus. Hop. Alors, on va faire du... En bas, tiens, on va faire du E. J'ai du E un peu partout, là. Le E. C'est des ronds jaunes. Et après, je prendrai du H. C'est des ronds jaunes, comme ça. Alors, peut-être dézoomer un peu. Que vous voyez... Voilà. Alors, j'en ai un ici. Voilà. Ça fait beau. Hop. Après, je vais faire du H. C'est des, comme ça, des yeux de chat un peu... un peu bombé sur le dessus. J'en ai déjà eu de ça aussi. Comme ça, je me dis que si j'y offre un truc qui n'est pas trop Noël, elle peut le garder tout le temps dans son salon. Hop. Hop là. Alors... Là, j'ai des un tout seul. J'en ai que deux. Je vais les faire aussi pour pas les oublier. Qu'est-ce que c'est pratique en sachet comme ça. C'est un peu des beiges, des comment, je sais pas comment dire, ouais. C'est pas des argentés. Voilà. On va descendre un peu là. Est-ce que je suis toujours dans le champ de la caméra? Oui. Bientôt Noël, ouais. Avant, j'ai l'anniversaire de ma copine, ma meilleure amie, l'anniversaire de mon papa et l'anniversaire de sa fille. Et après, ça va être l'anniversaire de ma fille, ma grande, qui va avoir 21 ans. Et après, ça va vite arriver. Déjà, quand ça va être l'anniversaire de la deuxième, 23 décembre, ce sera beau. Je vous ferai petite vidéo de mon sapin aussi. Hein. Ah bah oui, hein, le petit rituel. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. En plus, ça va être intéressant cette année, ma nièce a 2 ans. Ah, ça va être mignon. Ça va être choupi. Ça va être trop chouchou. Ah, c'est joli, hein. Un joli ornement. Ouais. Faudrait que je regarde ma vidéo. Quand est-ce que je vous avais filmé ça? Ou alors je l'ai brodé. N'importe quoi. Je l'ai diamanté dans mon coin sans faire une vidéo. Je sais plus. Là, j'ai un doute. Je vais regarder l'heure qu'il est. Midi moins le quart. J'ai encore un quart d'heure avant que tout le monde arrive. Pas tout le monde. On attend juste 4 personnes, quoi. Hop. Voilà.
faut tirer. Après, je vais faire du 6. Vous avez vu, c'est beau, hein. Alors, le 6, c'est quoi comme couleur? C'est un jaune un peu comme ça, beige. De toute façon, si les gens arrivent, je vais bien entendre. J'ai mon ventre qui gargouille, je sais pas si vous avez entendu. Là, j'ai pas beaucoup déjeuné ce matin exprès, parce que comme je sais qu'on fait raclette, je sais pas non plus, voilà. Abusé. Comme ça, ça aurait fait une petite vidéo bien sympathique. Je pense la terminer dans le mois de novembre. Sûrement aujourd'hui, je vais essayer de le finir. Comme ça, je serai tranquille. Faire du DP aujourd'hui. Enfin, du diamant. Comme ça, être tranquille. Finir mes diamants en cours. Ça peut être une bonne idée. On va faire du A. Et le A, c'est un bleu comme ça. Et après, je vais remonter parce que je commence à avoir pas très 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 chaud. Pourtant, j'ai mis un gilet, mais... Comme ça, ce soir, je ferai le montage. Et après, je basculerai sur YouTube. Je programmerai. Faire une jolie miniature aussi. Hop. Qu'est-ce que j'aime bien faire les petites miniatures? Je cherche... Comment je pourrais la faire et tout, c'est sympa. Un joli bleu, hein. Voilà. C'est pas sa place. La cire qui était un petit peu en surplus. Bon, on va retourner sur du 7. Puis après, je pense que je vais vous laisser là. Moi, je vais aller brosser un petit peu les cheveux. Bon, je suis lavée et tout, mais repasser un petit coup sur mes cheveux quand même. J'espère que vous aurez passé un petit moment sympathique avec moi. Et puis, mon joli papillon. Vous aurez de toute façon la revue, enfin vous aurez pour voir le produit terminé, quoi.
Magnifique. Allez, on fait les petits sets là. Et après, je vous dis adieu. Adios, amigos. Il faut que je demande à ma fille si elle avait fait ses petits ornements, son ornement stitch que j'y avais passé. C'était quoi la dernière fois que je lui ai donné? Je sais plus. Hop, ça c'est un diamant qui n'a pas de pellicule de couleur dessus. Voilà, j'espère que ce petit moment blabla avec moi vous aura plu. Alors attendez, je range mes petits diamants, je vous dézoome, je vous refais voir un petit peu comment il est beau. Voilà, tout ça c'est fait, il y a encore un petit peu là, mais tout ça c'est fait là, c'est vraiment magnifique. Moi de toute façon je vous remets le lien de l'article, le lien de la boutique en bas de description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regardez ma vidéo. Un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!